account for the complexity of what is experimental practice. So I'm tempted to make a relationship with what I've heard yesterday in the session about the web of data, semantic, the web semantic. Okay? It's, mm-hmm. it's the new numerical techniques that are used in history of science. I'm very sensitive to the question because in my own research laboratory, in Centre Coiré, we have already a long tradition of building digital corpuses. And one of the characteristics is that with these new means, we have the hope, you know, to attend the complexity of situation in which many people are involved, many different facts of different types mm-hmm. of sources can be studied. So one hypothesis one could formulate is that I would like to submit this hypothesis to you, is whether in the 1980s people became aware that there was new possibilities, concrete possibilities for historians to study very complex set of facts through new means. Would you agree with that or not? I might try it. Okay. Spontaneous response, of course. I would be hesitant, because if I look at those people who started this, who brought up these questions in the 1980s, I don't see them in that connection. For example, Ian Hacking, philosopher, and his background was rather philosophy of language, and this was very different. Latour Woolgar, I mentioned. They come rather from a sociology point and with the claim, of course, history of science is much more sociological than these historians of science have believed so far. So let's push that point. So same with Chapin and Schaeffer. I have difficulties to combine. And actually, this would be most interesting, but I don't see much up to this day. In the discussion of experiment, I don't see much of this, including this type of complexity, which I personally would very much appreciate, I must say. C'est très intéressant de voir comment ces différentes conceptions de l'expérience ont été remobilisées, par exemple dans les années 1960-1970, par les chercheurs en informatique qui étaient des militants d'une science informatique en construction et qui faisaient référence très explicitement, notamment à Claude Bernard et à Descartes, sur la nécessité de multiplier les expérimentations en matière de systèmes, de logiciels, etc., pour collecter le plus grand nombre possible de faits, d'observations, afin d'en tirer des théories, des modèles et constituer une nouvelle science. Est-ce que vous avez observé ça dans le développement d'autres sciences contemporaines? On va poser des questions trop fondamentales. Oui, c'est une très bonne réponse. Merci beaucoup pour cette for making me aware of that. I don't know about it. I would be very much happy to learn about what you said right now. And I am not aware of other fields in which I see these things. Thanks, and I will come back to you. Perhaps you can help me. You can give me the reference. Donc une dernière question. Oui, juste pour prendre la suite de la question qui vient d'être posée, il y a actuellement des séries d'études exploratoires, d'expérimentations exploratoires auxquelles je pense que les historiens des sciences ne sont pas encore intéressés. Sont les expériences qui sont pilotes ou exploratoires qui sont faites dans l'expérimentation animale. 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 Oui. Il y a maintenant de nouvelles directives européennes, depuis le 7 décembre de l'année dernière. Ça oblige les personnes qui font l'expérimentation animale à
chercher à diminuer le nombre de mots, etc. À toutes sortes de choses. On fait très souvent dans ces cas-là une expérience exploratoire pour voir si effectivement, si on utilise tant et tant d'animaux pour montrer ceci, si ce qu'on cherche sera visible avec les moyens d'expérimentation. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne voit pas apparaître là de nouveaux concepts, mais un savoir négatif dont on ne sait pas trop. Je dis négatif pour les raisons suivantes. C'est que si on ne voit rien, évidemment, on arrête l'expérience. Mmh. Et ce serait très important que ce savoir puisse être consulté pour ne pas recommencer 10 fois, 20 fois, 30 fois. Mmh. Et là, il y a une sorte de challenge sur la question des expérimentations qui n'a pas encore été développée. Oui. Merci, c'est difficile, c'est une remarque absolument intéressante et probablement on peut utiliser les expériences historiques des expérimentations exploratoires pour comprendre mieux qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait. Oui. Juste une autre chose, est-ce que vous avez connu Jean Gréa? Non, non, j'étais trop tard. Trop tard. Théories fausses, c'est-à-dire des théories qui prédisent des phénomènes dont on peut voir après tout qu'ils ne se passent pas. Mmh. Ah. Moi, j'ai lu toutes ces théories fausses. J'ai travaillé un petit peu avec lui. Okay. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, il y a plusieurs erreurs épistémologiques récurrentes dans ces théories. Mais l'une de celles, elle est vraiment touchée par D'Alembert, c'est qu'il ne faut pas multiplier. Dans presque toutes les théories fausses, vous trouvez cette idée, des faits de plus en plus nombreux nous montrent que, etc. Mm-hmm. Et cette réduction que montre D'Alembert et les autres aussi, cette réduction n'est pas. Merci. D'accord, donc on va...